On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo parce que c'est la première fois que je commande sur le site Driefenstofen. Je vais vous l'écrire dans la barre d'infos pour ce que je prononce peut-être pas bien. Certainement, c'est un site qui se trouve aux Pays-Bas. On en entend parler pas mal parce que les prix sont canons. Et en effet, je viens de calculer, j'ai à peu près 12 mètres de tissu. J'en ai eu avec les frais de port pour 52,95 €. Il y a 8,82 € de frais de port. Donc, enfin, c'est des tissus quand même pas chers. C'est ma première commande. Donc, je suis assez satisfaite. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai acheté. Et puis, bah, à chaque fois, je vous mettrai le lien, de chaque, produit en barre d'infos. On va commencer par un coupon de jersey. À l'endroit, ça va être mieux. Donc, voilà, vous savez, des grands coupons comme ça pour faire des t-shirts. Donc, voilà le devant. Le haut, c'est utilisé bah, pour faire les manches. Et le dos du t-shirt, enfin le dos du coupon, c'est comme ça. Donc en fait, avec un panneau comme ça, là c'est vraiment un grand panneau. Du coup, j'ai de quoi faire un t-shirt adulte. Et je pense faire un t-shirt pour la fête des pères avec mon père. Parce que bah, il n'était pas là le week-end dernier. Et que du coup, j'ai encore le temps de lui faire. Ce sera pour... Pour le week-end prochain, ça ira. Donc voilà, je trouve ça sympa. Ça fait pas trop enfantin non plus, mais il y en a plusieurs des panneaux. Et ça, je crois que c'est 5 euros le panneau, alors que, enfin, voilà, je les ai déjà achetés en France, bah, c'est beaucoup plus cher. Donc voilà pour le premier tissu. Donc ça, je suis quand même super satisfaite. Ensuite, j'ai acheté, donc je crois que, alors ça, ça s'appelle... Jacquard Jersey Off White Zigzag. J'en ai acheté 2 mètres. Et donc, c'est un tissu un peu extensible. Et voilà, ça fait. C'est le jacquard, en fait, le fait qu'il y ait des zigzags là sur le dessus. Donc, je pense que pour un sweat. Donc, c'est assez léger, mais plus lourd quand même qu'un jersey coton comme le panneau que je viens de vous montrer. Je pensais peut-être m'en faire bah, soit une petite veste ou un sweat d'été. Enfin voilà, je sais pas. J'ai pris 2 mètres. Là, franchement, c'est des trucs que j'ai pris sans vraiment savoir quel projet j'allais coudre avec. Voilà. J'ai pris aussi. J'ai pris ça. Bon, alors ça, franchement, j'ai pris, mais je ne sais pas du tout ce que je vais en faire. En fait, ça fait comme plein de petits empiècements, donc dans les mêmes coloris. Alors en plus, je croyais que c'était bleu, mais en fait, c'est gris. Gris et blanc. Et j'en ai pris, je crois. Non, j'en ai pris 2 mètres aussi, ça. C'est coton popeline Donker gris multi. Et ça, j'en ai pris 2 mètres. Alors, ça, je sais pas. Je me dis, peut-être c'est un petit chemisier. Ça peut peut-être être sympa. Je sais pas du tout, du tout. Ensuite, j'ai acheté, et là, j'en ai pris 3 mètres, ce coton-là. Donc ça s'appelle Poplin Stitched Stripe Flora. Donc un coton en effet, donc une popeline, ils disent rayée avec des petites fleurs qui sont brodées. J'aime bien ce genre de tissu. J'en ai pris 3 mètres en me disant que je me ferais certainement une robe avec ça. Voilà, bon, à voir. Ensuite, j'ai aussi acheté une viscose. Ça s'appelle 100% viscose cactus zalm. J'en ai pris 2 mètres. Bon, ça, une viscose, j'imagine bien pour un petit top. Allez, franchement, assez sympa. Je suis contente, a priori. Hein, après, il faut que je les lave et tout, que je vérifie qu'il n'y ait pas de défaut. Elle n'est pas transparente. Donc, plutôt agréable au toucher, assez douce. La couleur me plaît bien. Voilà. Et la dernière, c'est... Alors ça, du coup, c'est quoi? C'est le Cotton Tricot. Non, c'est pas ça. Je dis une bêtise. C'est le Knit Coton Coupon White. Et ça fait 200 par 200. Donc, voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu où est-ce que je vais trouver. En fait... C'est un tricot, c'est une maille, donc c'est assez transparent. En effet, hein, on voit bien.
Mais pour un gilet, enfin, j'imagine ça pour un gilet d'été. De toute façon, je vois pas trop ce qu'on peut faire d'autre avec. Gilet ou un sweat, pourquoi pas. Donc, je sais pas, j'imaginais un gilet long, par exemple. Voilà. Et ben voilà ma petite vidéo sur mes achats chez Driefenstofen. J'ai commandé, on est mardi et j'ai dû commander jeudi. Donc avec le week-end, le délai est quand même très plutôt sympa. J'ai commandé le jeudi, le vendredi j'avais un message comme quoi ça partait. Et ça a été livré par Chronopost au final. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, vous verrez ça dans les prochaines vidéos, savoir un petit peu ce que j'en ai fait. En attendant, bah, je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve bientôt pour la vidéo de mes cousettes du mois de juin. Bisous, bisous!